Avantage toujours. Le numéro 9 qui prend son temps, il sait que... Est-ce qu'on va tenter le drop? Je pense. Eh oui, ah non, non. Ah non, feinte. Ah, ces Japonais sont extrêmement joueurs, ils nous proposent un jeu extrêmement difficile à lire. Et c'est Claude au milieu des perches. Et c'est, alors quel numéro? Alors là, c'est ce côté débridé des Japonais qui oui. rend ce jeu vraiment extrêmement intéressant et plaisant à suivre. Alors, avantage pénalité. Et avec une balle gratuite, hein, c'est vrai que lorsqu'on est proche des lignes comme ça, on peut prendre un maximum de risques sur les avantages pénalités parce qu'on sait qu'on va avoir du temps. Enfin, on va revenir à la pénalité si jamais on va pas à dame. Et là, on a vu un coup de pied dans le dos de la défense et des ailiers japonais, les trois quarts, qui sont montés comme des frelons et qui ont récupéré le ballon. Enfin, c'est le numéro 8 hein, qui a récupéré le ballon. Et